En tout cas, bonjour, bonjour à tout le monde, à tous ceux que j'ai pas dit bonjour, parce que tout à l'heure, en fait, avec le bug et tout ça, il y a plein de gens qui ont dit bonjour et qui sont peut-être partis en se disant maintenant que du coup ça avait bugué. Bon, tant pis. C'est comme ça arrive. Moi, ça va bien, merci, ça va très très bien. Pour resituer l'histoire, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait fait le mariage de Barbie et Ken, qui s'était bien passé. Juste avant le mariage, j'avais fait crac-crac, on avait mis essayer d'avoir un bébé, et le Juliette. Et du coup, on l'a vu, je crois, juste après le mariage, vomir dans les toilettes. Et là, du coup, on soupçonne que Barbie est enceinte. Eh oui, Barbie est enceinte, sûrement. Après, je sens que ça va mal tourner cette histoire de bébé avec Barbie. Vous imaginez des triplés. On fait un marathon dimanche. Peut-être, je sais pas. Le souci, c'est que samedi, ma mère, elle a besoin de moi. Donc, je sais que d'habitude, samedi, je fais quand même des lives assez longs, assez voilà. Mais samedi, ça sera pas forcément comme d'habitude. Du coup, peut-être que dimanche, ce serait bien de se rattraper avec un marathon. Après, je pense que ce sera pas marathon officiel. Ce sera des longs lives, mais pas marathon, peut-être. Je sais pas. On a le temps jusqu'à. Enfin, on a le temps. C'est dans 2 jours, mais. Cassé. Merci. Je me trouve au sud de ton jeu. Et j'ai regardé, je crois que le jeu s'est fait télécharger déjà plus de 200 fois, presque 300 fois la version Windows et une quarantaine de fois la version Mac, un truc comme ça. Vous avez été nombreux, je pensais pas. Je me suis dit, ouais, s'il y a 50 personnes qui téléchargent mon jeu, c'est déjà beaucoup. Et là, j'ai vu les téléchargements. Il y a eu énormément de téléchargements, donc je vous en remercie. Et il y a beaucoup beaucoup de gens qui me posent à la minute. Non, non, Sinistra, c'est bon, je recommencerai pas ça. Je ne retirerai pas l'expérience. Toujours pour la veille au soir, toi. Bah oui, toujours, toujours. On me dit, c'est ta youtubeuse préférée sur la tête. Je fais une voix bizarre, je dis 15 L. Et toi, attends la suite. Coucou Adeline, ça va et toi? On va falloir qu'on s'occupe maintenant de notre. Voilà, regardez. Manger pour deux, oui. Donc oui, elle est vraiment, vraiment, elle est vraiment enceinte. Donc on n'avait pas fait de test de grossesse en soi. On l'a comme ça appris quand elle était aux toilettes, quand elle a vomi, je crois. Coucou Adeline. Il est tellement bien aussi, merci. Moi, il y a juste, je m'autocritique, mais il y a juste une chose peut-être que j'aurais dû mieux faire dans ce visual novel, c'est peut-être plus de choix, plus d'interactions et peut-être plus de scènes cachées. Mais bon. C'était mon premier, du coup j'apprends de mes erreurs. Enfin, il y a des gens qui aiment peut-être plus le côté littéraire, mais j'aurais préféré peut-être que ce soit un tout petit peu plus, un peu plus interactif. Salut Nutella, ça va? Moi ça va, merci. Moi j'étais aussi hyper permanence quand j'ai pas cours et tu vois, je suis allée sur l'ordinateur, j'ai marqué 15 ans YouTube et il y avait des photos de toi, j'étais choquée mais contente. Oui, bah je pense que même si tu as que 15 ans, il y a déjà des photos de moi. Je sais plus. Bon bah écoutez, Barbie est enceinte, on va la laisser en mode jogging aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah là ça va aller bien, il y a un truc par terre. Est-ce qu'il peut pas genre la féliciter parce que... Est-ce qu'il est au courant? Attends. Peut-être qu'avec Barbie on peut faire quelque chose. Partager la grande nouvelle. Est-ce qu'ils sont en autonomie ou pas? Parce que je les vois et ils bougent pas. On va juste vérifier ça. Ouais, autonomie totale, espérance de vie élevée. Ouais, ça on laisse pour Barbie l'autonomie. Enfin, l'espérance de vie. Hop. Hello Lizenkla, coucou Candice. Voilà, fin de ton visual. Je sais pas si tu m'as entendu, j'ai fait. Ah, c'est fini. Ouais, bah oui. C'est vrai que la fin elle est un peu. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre une image pour prévenir parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui m'ont dit. Ouais, mais j'ai pas compris, ça m'a remis à la page du début alors que c'est normal, c'est juste que c'est la fin. Une petite nouvelle, bah bienvenue à toi Kiki. Tant pis, il me donne faim. C'est bon. Une fois en cours, on écrivait un texte là-dedans, il y avait 15 et j'ai dit à ma pote si on ajoutait un. Ça fait 15 ailes. Barbie vient de devenir une. Oh oui, bah oui, c'est ta soeur. C'est bien. Bien, Fonulien. Bon, regardez, elle est encore habillée comme si c'était encore le mariage de Barbie, ce que je vous rappelle, hein, on l'a fêté là maintenant. Ça a fini assez tard, je crois, dans la nuit. Hey Lina! Si je peux. La fin, je l'ai fini en 20 minutes. En général, faut compter, si tu prends le temps de lire et tout, environ 30-35 minutes en moyenne.
Si tu vas vite, tu sautes un peu vite fait. Ouais, tu fais 20 minutes, ouais. Mais après, si tu fais toutes les fins, ça te prendrait, je pense, dans les 1 heure de faire toutes les fins en revenant par les sauvegardes. Hello Watermelon, coucou Tigresse, coucou Maïva, coucou Bakari, comment ça va? On va pour voir la suite, 15 ans comme quoi. Il y a vraiment du succès, j'espère que tu trouveras le temps. Yes, yes, yes. Mais ce que je prévoyais aussi, c'est de faire par rapport à les époques de l'année, par exemple faire un truc spécial Noël, spécial grandes vacances, spécial après voilà, avril, le poisson d'avril, etc. C'est peut-être un peu tôt. Peut-être pas dans les temps et tout, mais. Ah, faut que je prenne le temps. Faut que je prenne le temps. Ouais, ça fait plaisir. Je vais voir si je peux essayer de trouver un moyen de le mettre sur Steam et sur mobile, étant donné que ça a bien marché, entre guillemets. La suite de ton visuel nouvelle camp, bah y a pas de date. Je peux pas vous donner de date parce que j'ai pas écrit, etc. C'est pas comme si j'avais déjà des projets et un planning pour ça. J'ai genre zéro planning. Hello Kayla, coucou Krishna. Ah, la fille, elle est enceinte, elle fait du sport. Genre, elle a pas froid aux yeux. C'est ouf. J'aime pas lire, mais j'aime quand même lu ton visuel nouvelle. Coucou à Leïla. Ça marche, Poppy Clara. Coucou, Shogun. Bah, moi, ça va bien, merci. Il commence maintenant ses heures de travail. C'est vous là. Merde, j'ai pas regardé. On va mettre ne pas accompagner. Hein. J'ai pas envie. De toute manière, là, elle est quand même bien et elle aura peut-être une promotion. Elle a 4 jours disponibles de vacances. Ce serait bien qu'elle les prenne quand elle arrivera au terme de sa grossesse. De manière, ici, on voit l'avancée de la grossesse. Et elle est à manger pour deuxième trimestre dans 21 h. Ok. Donc voilà, elle va bientôt arriver au deuxième trimestre. C'est quelle app que tu gères, Limonade? C'est pas une application, c'est un logiciel, c'est Fusebot. Hello Rabia, how are you? Après j'ai marqué, Lalo, il y avait que des photos de vieux monsieur, j'étais out. Oh non. Le compteur de citron me manque. Mais si vous voulez, on peut le remettre. Moi je me suis dit, c'est peut-être plus harmonieux sans le compteur. Après, si vous le souhaitez, on peut remettre le compteur. Hein. Si vous êtes nombreux à vouloir que je le remette, je le remettrai. Ça va, j'adore ton make-up. Merci Elma, c'est gentil. Bah, ça va et toi? Coucou Lily. La maison, tu l'as dans la galerie? Bah, c'est la maison de Pixia qui l'a fait. Donc, si vous allez dans la galerie et vous cherchez Pixia, Pixia, je crois que c'est Patafouin40, je crois. Un truc dans le genre. Bah, tu trouveras la maison de Barbie. C'est elle qui l'a fait. Moi, je l'ai repris, je l'ai custom certaines pièces, mais c'est tout. Mais la base de la maison est vraiment elle qui l'a fait. Je me rappelle de vaccin et je stresse. Mais ça va aller, ça va aller. On va passer le temps parce qu'en fait, ils sont tous partis. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Journée très spéciale puisque. Le burn! Ça faisait super longtemps que j'en avais pas bu. Genre, mais 3, 2, non. Je veux dire 3 mois. Pas abusé, mais un mois et demi, quoi, minimum. Est-ce que si le bébé t'intéresse comme c'est le deuxième? Bakari, bah je pense pas pour Bakari puisque je pensais mettre des prénoms genre vraiment très américains. Ouais, c'était dans le délire. Amy, oui, du compteur, il en jette. Le premier qui te cherche, il sait combien de citrons va lui tomber dessus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ok, bah pour le prochain live, j'essaierai de remettre le compteur. Merci beaucoup Angel pour le don. On commence pas. Hein. Il faut que je te pose une question. Bah oui, je t'écoute. Et salut, salut. Comment vas-tu? Merci beaucoup pour le don, cœur cœur. Merci pour le soutien. Ça fait plaisir. Coucou Aurélie. Hello Agela. Ah, je sais pas si je dois dire Agela ou Agela. Salut, salut. Hey Océane. Ils sont toujours pas revenus. Elle est très énervée, Skipper, par contre. En colère. Si me sens au champ, autant d'os, ça se met en colère pour un rien. Oui, c'est vrai qu'on lui a mis ce trait. Je sais pas si c'était une bonne idée finalement. Coucou Nadine. J'arrive, il y a un don. Bon, bah, faut que tu viennes plus souvent, Nadine. On arrête plus avec les dons. Mais calmez-vous, calmez-vous. Avec les nombreux dons qu'il y a en ce moment, tu pourras enfin nous payer. Ma soeur pue des pieds, elle rapproche ses pieds de moi. Petit chat peut venir griffer des filles, lol. Gardez-moi-le. Il est juste là, petit chat.
En soi, il est assez pacifiste tant qu'on le fait pas chier, mais si tu veux, je l'envoie en mission ninja. Mission ninja, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais embêter? Bébé s'appellera comment? Alors, aucune idée, je sais même pas si c'est une fille, je ne sais pas si c'est un garçon. Garçon, ça se fait, ce sera des triplés, des jumeaux. Enfin, des triplés, c'est pas possible. Parce qu'ils sont déjà 2, 4, ils sont 6 à la maison, c'est-à-dire que en grand maximum, ce sera des jumeaux. Au grand maximum. Mais bon, c'est pas plus mal, hein, parce que des triplés, ça va, ça va. Coucou The Licorn, comment ça va? Digo, ça marche, Johanna. Ça marche, Johanna. À plus tard. Elle me rejette, mais avec toi, je me sens mieux. C'est peut-être que c'est des personnes qui ne te méritent pas, tout simplement. J'ai aussi un porte-clés caca emoji qui fait du bruit. Mais quel genre de bruit peut faire un caca emoji? Chercher ma cousine pour qu'elle vienne dans le live, ça marche, Bakari, merci. Eh bien, Barbie, elle est promue. Ah non, c'est pas Barbie, c'est Ken. Ken est promu au poste de responsable d'agent. Alors maintenant, il va faire quoi? Et Barbie, elle est pas rentrée. On va voir, il est parti dormir. Et au niveau de son travail, il doit atteindre le niveau 2 de la compétence charisme et interaction amicale. Ok. Bah écoute, Kate, tu sais que ta femme, elle est enceinte. Il va falloir que tu travailles pour deux maintenant, parce qu'elle va bientôt être en congé. Par contre, Barbie, elle a pas eu de promotion. C'est un petit peu dommage parce que, franchement, au niveau de son travail, elle est bien. Hein. Si on va voir au niveau de son travail, elle est vraiment excellente. Plus, quoi. Bientôt, elle aura... C'est rare, hein. Normalement, elle aurait déjà dû avoir la promotion. C'est pas grave. Peut-être pour le lendemain. Allô, elle est morte. Elle est en train de dormir, je pense. Merci, Licorne. Hey, Lena. J'ai atteint les 100 bobs. GG à toi, Yumi. Je viens d'avoir la notification. Salut, Justine. Comment vas-tu? Le caca emoji fait un bruit de diarrhée. J'aurais dit à la limite un bruit de paix. J'ai pensé à toi en cours, en fait je devais chercher un mot de la lettre J. Lol. T'as pensé à mon prénom ou à autre chose? Oh merde, j'ai raté un appel de la maman de Barbie je crois, ou de sa tante. De sa maman, il me semble. Voilà le loot. Allez, fais-lui des câlins. Par contre elle est vraiment pas bien. On va faire juste ici un câlin, un petit câlin Blissa. Oh là là. Oh ben, puis ça, elle attend son câlin, mais Barbie, elle est HS. À ton prénom, ah, ce qui me semblait bien. Ah, c'est possible d'avoir une voiture dans Sims 4 ou pas, Jess? Non, Titanic, il n'y a pas encore les voitures. Je sais que dans les Sims 3, il y avait les voitures. Certes, on pouvait juste cliquer dessus pour aller au travail ou quoi. Mais dans les Sims 4, il n'y a pas. Ou du moins, il n'y en a pas encore. Peut-être par la suite, on peut s'attendre à des évolutions de ce type-là. Coucou Sandili, merci, c'est gentil. J'y retourne, ça marche, sucré. Eh bien, va te coucher. Va te coucher. Elle veut prendre un café, mais non, va dormir. Quand t'as Ken, pareil, il dort. Hein. Il peur, elle va aller dormir aussi. Hein. Ils sont tous fatigués, ils tiennent pas, parce qu'en même temps, la nuit, ils dorment pas. Elle est partie. Les deux, ils sont tous en train de... Ça, c'est à cause du mariage. Ça les a décalés. Et ils ont tous envie de dormir. Ils ont tous envie de dormir. Ouais, je pense Angel, tout à l'heure, on va faire un petit peu d'MSP, quand même. Donc, quand je termine les cours, la première chose que j'ai fait quand je suis rentrée, c'est regarder si t'étais en live et tu étais pas. Du coup, je suis partie me reposer. Oui, la voiture du boulot qui arrêtait pas d'occasion quand tu n'allais pas bosser. Mais tu sais que ça me manque quand même, hein, les voitures. C'était intéressant. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis. C'est vrai que c'est pas super compliqué. Regarde, il y a des gens qui ont déjà fait des CC. Genre, tu fais un petit clic droit, aller au boulot avec, et puis voilà. Hello Carolina, juste info, les modos du score n'ont pas mis le lien du live, donc je vais faire des aussi. J'ai mis le lien dans partage photo, puis dans citoyen, mais y a pas de soucis. Hein. Pépé Barbie est crevé. Bah, il n'y a pas que, il y a toute la famille qui est crevée. Ils ont fait le mariage la veille, ils ont fait un peu trop la fête, je pense, et du coup, ils sont fatigués. En fait, le gars de ma classe a commencé à baisser les pantalons des autres gars à un moment. Enfin, comme ça, à le faire aussi. T'inquiète, c'est pour rien, mais je ne comprends pas. Coucou Christina, coucou Cupidon. Eh bien, qu'allons-nous faire? Bah, on va juste passer le temps, hein.
sont tous en train de dormir. Bon, lui, on va le réveiller. On va essayer quand même de reprendre un rythme genre où ils iront dormir la nuit. En attendant, boum, tu vas aux toilettes. Ah, belle. Hop. Prendre des restes. Et pour le boulot, montrer cher, interaction amicale. C'est vrai qu'agent secret, machin, tout ça, j'avais jamais vraiment fait dans les Sims. Et ça me permet de découvrir ce métier. La maison de... Merci Elodie, c'est la maison de Pixia. Ou vous Caroline. C'est quand du Bendy bah, est-ce qu'il est sorti? A chaque fois vous me demandez, vous me posez cette question, mais vous me répondez jamais si c'est déjà sorti ou pas la suite. Ça c'est déjà sorti. Oh, Barbie a un caniche. Oui, elle a soit un caniche, soit dans certains dessins animés, elle a un labrador. Par exemple, dans Dream House, elle a un labrador. Et dans certains films, elle a un caniche. J'espère gagner beaucoup d'argent. Bah, on avait récolté la somme de 131 euros en tout pour la SPA de Cholet. Ouais. Allez, Sarah. Pas encore le temps de vous mettre la rediff, mais je vous mettrai les rediffs si ça vous intéresse. Pantalon à Monster en plus, le pire c'est que les jambes baissées, pantalon des gens moches. C'est de l'harcèlement. pour le charisme, non, il n'y a pas de salle de bain. Si, il y, une... si, y a une salle de bain en bas. Une salle de bain. Let's go, hello. Merci Angel, merci beaucoup pour ton don. Je te fais un énorme cœur à nouveau. Merci pour le soutien. En fait, c'est simple, c'est un chignon, mais sauf que tu coupes en deux, tu fais deux chignons, et en fait, tu fais un peu brouillon. Moi, franchement, je prends le chignon, je fais à l'arrache, et puis voilà. J'ai juste mis une petite pince sur celui, si, c'est tout. Mais celui-ci, il n'y a pas de pince, parce que je l'ai... Ah si, il y a une petite pince aussi. Juste une petite pince pour les faire tenir en hauteur. Et puis c'est tout, avec la petite franche. Franchement, c'est pas compliqué, vous pouvez tous vous faire cette coupe-là à la maison. Merci Miss Maël. Je sais pas, moi je m'appelle 15 aujourd'hui, c'est devine pourquoi. Je sais pas. Ah, petite, juste petite. C'est Carole qui m'a rappelé alors que son message n'avait rien à voir avec ça. Mais hier, nous avons normalement, mais il n'y a pas eu de live, du coup on peut reporter ça maintenant. On peut fêter les 8 mois de la chaîne. Oh oui, ça fait 8 mois que la chaîne a été créée. Enfin, l'autre chaîne a été créée avant, mais celle-ci. Elle est depuis le 25 mai. Du coup, hier, on était le 25 et ça aurait été les 8 mois de la chaîne. On va dire que je commence de moins en moins à fêter les mois de la chaîne. Bientôt, bah, je pense qu'une fois qu'on arrivera à un an de la chaîne, on fêtera d'année en année et plus de mois en mois, en fait. C'est comme, par exemple, les bébés, tous les mois, voilà, on voit une grande différence et puis après, non. Oui, tu avais oublié, je suis sûre. Non, on me l'a rappelé sur Discord. J'avais oublié, mais on me l'a rappelé sur Discord. Happy birthday, Shane Kinsel. Merci. Merci beaucoup. Premier live que je vois en direct. Bah, coucou Lydie et bienvenue à toi sur le live. J'espère que ça te plaira. Je sais pas si Bendy est sorti, Kinsel. La flemme d'aller voir bientôt les 1 an. Mais faudrait que j'aille voir parce que c'est vrai que ça fait longtemps. Donc, je pense qu'il a dû sortir. On m'avait dit à un moment qu'il devait sortir, je sais plus quand. Et ce jour-là, c'était pas sorti ou je sais pas, il y avait du retard. Et ta coupe de cheveux. Merci, Elodie, c'est gentil. C'est pour rigoler, mais j'aurais pu le faire un gars un peu plus beau. On va demander à Ken d'aller devant un miroir. Te contempler. Non, c'est pas vrai, juste pour... Où est-ce qu'il y a un miroir? Est-ce qu'il peut utiliser ce miroir-là? Ouais, il va utiliser le meuble de Barbie, c'est pas bien grave. Barbie est encore en train de dormir. Voilà, ils font leur devoir. Piper, elle est fatiguée, mais si je peux lui demander... Oh mince. Ton bouquin n'est pas là. Ton bouquin n'est pas là. C'est chapitre combien? Le 3? Non, il me semble que c'est le 4. Le 3, on l'avait fait. Du coup, c'est le 4.
Déjà, si j'ai laissé un commentaire sur ta bio via le sujet de la chaîne pour la Nive, j'avais pas oublié. Bah, je t'avouerais que hier, j'ai pas trop regardé les commentaires. Avant-hier, j'ai répondu. Hier, je crois que j'ai pas trop répondu. Bébé chaîne Quinzel grandit si vite. Bientôt. Bientôt, bébé Quinzel saura marcher. Et saura parler. Bah, elle l'a posé où son livre? Oh! Peut-être dans sa chambre. Non. C'est une tendance fâcheuse à perdre tous les livres de cours de tous les enfants des Sims, quoi. C'est terrible. Mais des fois, attends, des fois elle va chez Barbie pour faire ses devoirs. Là, non. Bah, elle a faim. Elle descend en bas pour manger, hein. Tu es grande, Barbie. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis dans son inventaire. Ce serait possible, ça? Ça, c'est école. Bah non, bah je sais pas où elle l'a mis, son livre. Ah, attendez! Si, il est là! Il est là! Coucou, Isa. La suite du jeu, pour l'instant, j'ai pas de date. Mais promis, dès que j'ai une date, ou à peu près, je sais quand il sortira, je vous dirai. Pour le moment, je n'ai pas de date pour une suite. Faire ses devoirs. Ah oui, c'est vrai, l'image elle a bugué, effectivement. C'est la première fois que ça arrive. Attendez. Attendez, je vais vous remettre. Je vais vous le remettre, je sais pas pourquoi ça ne soit fait ça. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe encore? Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, je croyais que c'était... Bon, non, non, effectivement, même chez moi, ça... Mais je sais pas pourquoi. Là, j'essaie de le remettre et ça ne veut pas, mais c'est pas grave. Vous savez quoi? On va faire une option... On va mettre carrément une capture d'écran, hein. Voilà, on a fait une capture d'écran, hein, pour pallier, hein, on fait système B. Voilà. Système B. Eh bah dis donc, je suis pas gâtée, hein. Bien ton pull, merci. Non mais qu'il n'y a pas les sims, ça c'est un petit bug, Moon. Les aléas du direct, exactement, les aléas du direct, c'est tellement cool. Ah, j'ai hâte de voir, je sais pas si on arrivera à cette live là, voir qu'est-ce qu'elle va nous accoucher, Barbie. Mais qu'est-ce qu'elle va nous accoucher? Une fille, un garçon, des jumeaux, peut-être, des jumelles. T'as pas vu mon com d'hier? Bah, je te dis ici, je vois les animes de la chaîne. Merci! J'ai préparé la chambre de bébé. Oui, mais seulement au moment où je saurai si c'est une fille ou un garçon. Parce que comme ça, je pourrais déjà aller dans les tons. Voilà, c'est une fille, forcément du rose, hein, on est chez Barbie. Par contre, pour un garçon, on mettra du bleu. Mais des clichés de couleurs, bien sûr. Ma 12 McDo ce soir. Ah, moi, je dis pas non, hein. Je dis pas non, un bon McDo. Hey, Miss May, j'installe Fortnite. Bah, je pense que ce soir, on va faire du Fortnite aussi. Je passe juste faire un petit coucou. Je peux pas rester, ça marche. S'il n'y a pas de soucis, bah c'est déjà bien gentil de ta part d'être passé pour faire un petit coucou. Moi, je veux des jumeaux, ce serait trop cool, lol.
Ouais, j'aimerais bien aussi, mais le problème c'est qu'on a peu de chance d'avoir des jumeaux, puisqu'elle n'a pas de trait, elle a rien, elle a pas la potion pour avoir des jumeaux, elle a pas le trait pour les jumeaux, le terrain, je crois que c'est même pas un terrain qui... On va vérifier les caractéristiques du terrain, mais je crois que ça a pas la fertilité comme trait non plus, donc on n'a pas forcément augmenté les chances. Après, si vous voulez, ici, on peut le mettre, hein. Voilà, alignement cosmique, grâce à son énergie terrestre fertile débordante, cet endroit a bien souvent vu naître des jumeaux. Alors, une question pour les pro-sims. Est-ce que la conception des bébés peut changer à partir de maintenant ou pas? Vu qu'elle est déjà enceinte, est-ce que le jeu a déjà défini par avance ce sera quoi comme bébé? Ou est-ce que c'est vraiment au dernier moment que le jeu décide aléatoirement les bébés? Parce que là, si je mets par exemple l'aliment cosmique, mais vu qu'elle est déjà enceinte, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que ça va impacter? Question que je me pose. Pourquoi ça sombre alignement cosmique? Déjà, il semble qu'il y ait un impact sur toutes les activités nocturnes. Attendez-vous à ce que bébé conçu ici ait besoin de soins particuliers lorsqu'ils feront leurs dents? Non, 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 je veux pas que ce soit bébé vampire, hein. On va prendre ça, et tant qu'à faire, hein, jeu d'enfant, c'est quoi? Ah! Ici, les enfants, apprennent plus rapidement. Et j'ai envie de mettre accueillant, mais il y a tellement de choses qu'on pourrait mettre. Ensoleillé, accueillant, Bon, peut-être pas zone de reproduction, mais partie des ados, ça aurait pu être cool. Convivial, c'est passion et atmosphère, hein, qui permet de pratiquer plus facilement monter vos compétences charisme, comédie et malice. Aura romantique. L'aura romantique permet de mettre plus facilement des signes d'humeur romantique. Bah écoute, on va mettre ça, ça sera marrant par la suite. Je pense. Je me suis appelé Kazel car la dernière fois il y avait contrôle et j'ai pensé à toi. Pense à toi, j'écris comme prénom sur ma feuille Kinzel. Hey Lyria, c'est peut-être comme dans Dofus, avec les dragodins, Buldo, barre d'humeur, génétique qui joue. Oui, voilà, oui, oui. Après, la barre d'humeur, ça, j'ai jamais vu pour la barre d'humeur. C'est peut-être une théorie intéressante. Hein. Peut-être. Ah, par contre, il y a quelque chose, maintenant que tu. En me disant ça, Sinistra, ça me fait penser à une chose. C'est vrai que dans les Sims, si on mange des fraises, je crois qu'on a plus de chances d'avoir une fille. Et si on mange des carottes, je crois que c'est un garçon. Ça augmente les chances, que ce soit une fille ou un garçon. Je pense que ça, par contre, vous devez connaître parce que c'est assez répandu. Il y a pas mal de gens qui le savent. Par contre, je ne sais plus c'est quel fruit exactement. Ça, par contre, je ne suis absolument pas sûre. Fraise, je crois que c'était fille. Carotte, garçon ou l'inverse. Mais ça, faut vous me confirmiez. Bonjour Alia, je suis nouvelle. Bienvenue à toi sur le live. J'espère qu'il te plaira. Acheter Fortnite, mais il est gratuit. Fortnite, il y a juste la version PVM qui est payante, mais le PVP est gratuit sur Fortnite pour tout le monde. À quelle accouche? Bah, alors actuellement, elle est elle entre dans le deuxième trimestre dans 4 heures. Il faut encore fraise, fille. Et les garçons, du coup, c'est quoi? Parce que je suis garçon, je suis pas sûr que ce soit des carottes. Hein. Hello Manu. Mais je crois. Tu pensais pour laisser les carottes? Bon, on va la laisser faire son divertissement. Est-ce que Ken, Ken, on le laisse encore faire son truc? Ah bah c'est bon en fait. Bon, tant qu'à faire, on va le monter niveau 3. Non, quoique non. C'est pas grave. Il faut qu'il fasse des interactions sociales. Bah tiens, va avec... Enfin, interactions sociales amicales. Hein. J'allais dire, allez, on fait crac-crac Barbie, mais on va dire crac-crac, c'est romantique et pas amical. Donc on va faire des choses amicales. On va faire des choses amicales. Carotte garçon. Ok, bah alors c'est bien. Je m'en suis bien rappelé. Ah oui, oui, effectivement, ouais, comme Anaïs, elle dit. Il y a aussi ça, c'est la fille, c'est fraise et musique pop. C'est vrai que la musique aussi, si elle écoute de la musique pop, elle a plus de chances d'avoir une fille. Et si c'est musique laquelle, alors peut-être pour les garçons, c'est quelle musique il faut écouter? Adolescente, un truc. C'est quoi PVM? PVM, c'est la campagne, quoi. C'est le VS Zombie, le jeu qui n'est pas en ligne. Coucou Manoncha. Alors, il faut manger des fraises et écouter de la musique pop. Pour garçon, il faut manger des carottes et écouter de la musique alternative. Oui, alternative, ok. Merci Sisra. Ouais, je me rappelais plus pour la musique, effectivement, mais il y a aussi ça qui joue. Alternative pour les gars. Yes, yes. Coucou Catherine. Garçon, fille. Bon, on va laisser quand même la nature faire les choses. On a quand même mis fertilité comme trait de maison. On aura peut-être plus de chances d'avoir des jumeaux, mais après voilà, elle a pas pris la potion de fertilité, elle a pas le trait de fertilité. Mais bon, on a quand même une petite chance supplémentaire d'avoir des jumeaux, on verra bien. On verra bien, tranquillou. Supplémenter la tenue. Je sais pas si ça c'était par contre amical ou amour la tenue.
aussi. Proche de sa famille. Toi, ça, tu viens de faire un bébé avec et tu viens pas d'apprendre un trait de caractère sur elle, quoi. Faut le faire quand même. Buter des centres d'intérêt. Ils ont la barre à fond. Renseigner sur la carrière. Ah, c'est quand même ta femme. Ah oui, c'est maintenant je peux dire, hein, femme, puisqu'ils sont mariés. Tu as un enfant avec elle, enfin, tu vas avoir un enfant avec elle, et tu apprends seulement sur sa carrière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, il a 50% pour le travail. J'en peux plus. Ainsi Google qui m'a donné la réponse en 0,7,22 secondes. Genre, il relaie contre dit Kazé, dit c'est qui, il s'appelle Kazé, mais genre, comme il a pas piscale, j'étais mort de rire. Là. Après, je dis ce qu'il n'y a pas Kazé, attends, ensuite. On peut jouer que avec PC, non, sur console, tu peux également. T'en vas pas. Ah, mais si, c'est bon. C'est bon, il a terminé. Il va aller se coucher, c'est bien. C'est vrai qu'il est 4h du matin, il est fatigué. Comme jamais. Il y a tout le monde qui dort, elle dort pas, mais toi, tu vas dormir quand même. Hein. Enfin, tu sais, il est un peu 4h du matin, donc si tu peux aller dormir, ce serait bien. Elles sont jeunes quoi, les deux petites sont vraiment très jeunes. Bon, y'a pire, elles sont pas des bambas non plus. Coucou Audrey, comment vas-tu? Moi je te connais, bah GG, magie des pommes de terre. Corélie, coucou Flav. Il connaît rien de Barbie. Ouais, il découvre le jour de son mariage, le travail de Barbie, ses traits de caractère, son comportement. Il découvre tout le jour de son mariage. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez. Oh, aujourd'hui, il y a bien des gens qui se marient au bout d'un mois. Hein, pourquoi pas? Ils se fiancent le jour où ils se rencontrent et qu'ils se marient le lendemain à Las Vegas. Oh, pourquoi pas? Hello Derriel, 100 pouces bleus. Mais merci beaucoup pour vos likes, c'est super gentil. Et vous, la coiffe de Barbie? Je me rappelle plus, mais je pense sur The Sims Ressources. Hein. The Sims Ressources. Coucou Tiffany, ça va et toi? Bébé, so cute. Baby, 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 baby. Ah, ça c'est vous qui m'avez lancé la perche. Ouais, pas comme tu dis. Bah ouais, écoutez. On verra si ça dure, hein. Au cas où, j'essaye de faire un clin d'œil. J'imagine trop de choses. Mais moi, je me fais des films dans ma tête, des fois. Par contre, elle est venue tranquille dans la douche de Barbie prendre... Par contre, je sais pas comment faire, des fois, les... Ils prennent des douches avec les vêtements TC que je prends, enfin les contenus personnalisés, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, c'est assez marrant, c'est pas super important, mais pourquoi pas, hein. Je viens de découvrir ta chaîne, bah coucou à toi, Call of, et j'espère que le live te plaira. Même des gens qui se connaissent pas, bah ouais, hein, y a bien les... Bah ouais, les mariages arrangés, ils se connaissent pas du tout, hein. Ils se marient, ils savent déjà qu'ils vont se marier entre eux, ils sont jamais vus de leur vie. Est-ce que les Sims Mobile sont sur le Play Store? Je sais pas. Moi, j'avais fait jouer à ça quand c'était pas encore disponible en France. Ça se fait maintenant, c'est disponible. Par contre, si tu veux, j'ai une vidéo pour le faire marcher sur PC, le jeu. Et une fille sur YouTube, elle a créé des CC Maison Casa Limonade. Bah, faut que j'aille voir. C'est là avec du dash et que ça fait deux en un. Oh merde. Ça économise l'eau au moins. Pas besoin de lancer une machine. Coucou Kenny, comment vas-tu? Je me suis fait pirater sur MSP, mais qu'est-ce que t'as fait? Après, il m'a fait, je suppose que c'est toi qui a pas eu ton contrôle. J'ai fait, ah oui, Rangan, il m'a fait l'art comme ça, tu t'appelles 15, il m'a fait, c'est 15, c'est un gars, j'ai rigolé, lol. Et l'honneur, c'est sur celle, mais y a pas de souci. Ma mère trouve quelque. J'ai hâte que ma mère trouve quelque part les Sims. Comment ça qu'elle trouve quelque part pour l'acheter? Il y est dans toutes les grandes surfaces, dans les magasins de jeux vidéo, comme si. Enfin, comme Micromania. Bon, la dernière fois, je l'ai vu au Micromania. Oh merde, c'est remplacé. Hop. Ah, est-ce qu'il travaille? Il est pas fatigué, lui, il se lève. Bon, on va le laisser pour divertissement. Et toi, j'espère que tu vas me ramener quand même une promotion. Ce serait bien, avant de faire sa pause maternité, qu'elle ait une promotion. Quand est-ce qu'il part? Petite télé du matin. Avec, bon, j'allais dire avec un bol de céréales, mais non. Avec un gâteau qui a l'air d'être quand même périmé. On regarde de près. Honnêtement, j'oserais pas manger ce qu'elle mange. Hein, parce que là, c'est chelou. Je sais pas, un gâteau ou un carré de fromage, là. Oula. Ah merde. Attendez.
Elle est malade. Elle est malade. Pression. Ah non, elle était un peu comme une théière, petite dure et remplie de vapeur. Ah, je croyais que c'était parce qu'elle était malade. Mais non, elle est tendue. Parce qu'elle a pensé à des médicaments. Non, elle doit être malade. Est-ce que quelqu'un a des médicaments? Personne n'a de médicaments. J'ai commandé, on ne sait jamais, vaut mieux être sûr, parce que si elle est enceinte et qu'elle tombe malade, c'est voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. La suite de Sorcerium. On peut jouer que sur PC, les Sims. Non, les Sims c'est sorti également sur PlayStation. Et Xbox, je suppose. Puis PlayStation, je pense que Xbox aussi. Image bug. Ah non, chez moi, elle bug pas. Commander, commander, commander. Acheter des médicaments. Voilà, 5 médicaments. Prendre des médicaments. Si elle peut prendre des médicaments, c'est qu'elle est quand même malade. Moi, je pensais que c'était du coup sous pression. Ah, regardez! Pas trop fait attention, mais elle a un bide. Je pense qu'on va lui changer de vêtements. On va lui changer de tenue. On va lui mettre la robe. La robe, en enceinte, ça passe. Mais là, le jean, ça passe pas. On va la mettre en robe. Regardez ce que ça donne. Et ça rend bien avec la robe. Oh, ça fait trop bien avec la robe. Merci les animes, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton abonnement. Sur Instant Gaming, les jeux sont pas chers sur tous les SimCS et tu as souvent des bundles. Je vous conseille de prendre les bundles dans lesquels vous avez un pack et deux kits et ça coûte le même prix qu'un seul pack sur le officiel. Un mec m'a insulté, le prof a essayé de me calmer, elle avait pas plus 3 classes que des mecs. Il me retient, mais il n'y arrivait pas jusqu'à que les mecs se vénèrent. Faut pas s'énerver! Peace and love. Merci Fatima, c'est gentil. Pauvre Barbie, mais bon, vous inquiétez pas. Elle a pris les médicaments, ça va mieux se passer. Mais lol, regardez-moi cette femme enceinte qui fait du sport. Bon, déjà, je suis pas enceinte, j'arrive pas à reprendre le sport. Bon, ouais, la fille, elle est enceinte, en plus de ça, elle fait du sport. Et c'est quoi ça? Ça passe crème avec cette robe, on est d'accord, on est d'accord. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça donne, hein. Le petit ventre sous la robe. Là, même en jogging, ça passe également. Mais je trouve qu'elle est quand même plus classe en robe qu'en jogging. Mais c'est quand même bien. Par contre, on va peut-être lui demander d'arrêter. Hein. Je veux bien hein, le sport un petit peu. 2-3 abdos dans la journée. Encore les abdos, non, parce que c'est que ça t'attire. Mais non, Barbie, arrête. Elle va bientôt aller au taf. Elle pouvait aller aux toilettes. Et prendre un repas rapide. Au moins un jus d'orange avant d'aller au taf. Faut lui faire un relooking. Yes, ben en soi la robe est bien. En soi la robe elle passe. Coucou gaming girl. J'ai mis cette famille sur la galerie. Nope. J'ai pas mis la famille. Le bébé il fait du trampoline dans son ventre. Mais c'est Barbie voyons à 8 mois de grossesse elle fait encore du gainage et des pompes. Mais du gainage carrément. Elle va faire des tractions et tout. Imagine, enceinte de 8 mois, ouais, et elle fait des tractions bien et tout, quoi. Bon, le mur d'onification est plein. On va supprimer ça. Hop, supprimer. Voilà, parfait. Bonsoir Gaïa, comment ça va? Hashtag enceinte et sport. Enfin, on rigole, mais il y a bien un moment, un hashtag qui avait été lancé. Je sais plus c'était quoi le nom, mais c'était des femmes... Il faisait de la danse, pas de la danse simple, c'était, je crois qu'elle twerkait alors qu'elles étaient enceintes. Je sais plus c'était quoi, c'était un hashtag qui avait été lancé, il y avait pas mal de femmes enceintes américaines qui l'avaient fait en mettant des vidéos enceintes, un gros bidou, je sais pas à quel stade de la grossesse, mais avec un bidou qui était pas mal quand même. Hein. Et j'étais choquée, je me suis dit ouais, moi je sais même pas le faire en étant pas enceinte. Alors là, ces femmes-là, coucou papy. Avec sur une musique spécifique, c'est toujours la même musique, le hashtag là. Coucou papy, comment vas-tu? Un incendie, stop! Stop, 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 stop. Attendez, je me surpose parce que là, ça m'inquiète. Barbie, elle vient de faire des fruits et elle a mis le feu. Je peux pas sauvegarder, je parie, non. C'est flippant là, vous imaginez, elle meurt. Vite, décale-toi, décale-toi. Éteins le feu, éteins le feu.
Là, le problème, c'est qu'elle est toute seule. Il y a tout le monde qui est parti à l'école, au travail. Et Barbie est toute seule. J'espère juste qu'il va rien, que tout va bien se passer. Ouais, Barbie enceinte. Elle fait du sport. Elle éteint des feux. Elle est pompière. Elle sauve des vies à l'hôpital. Le gros respect pour elle. Hein. Et toi, tu te ramènes quand c'est déjà fini. Hein. Non, mais elle veut. Non. Enfin, je vais être un petit peu. Voilà, mais. Elle veut. Comment dire gentiment? Elle veut se taper. Elle veut se taper Ken, gentiment. Elle veut se rapprocher de Ken. Voilà, on va dire ça, c'est plus politiquement correct. Elle veut se rapprocher de Ken. Donc c'est vrai qu'effectivement, voir Barbie brûler dans un feu, ça l'aiderait à se rapprocher de Ken. Genre après, elle pourra consoler Ken et tout et tout. Je dois croire qu'elle est enceinte. Jacques, il tourne en rond. Barbie maladroite, elle est folle. Ouais, j'ai vu les promos Nutella, mais aussi il y a eu des bagarres dans les intermarchés, c'est énorme. Si vous voulez, je vous envoie le lien, c'est MDR. Non, j'ai vu et je trouve ça choquant de se battre pour du Nutella, quoi. Surtout qu'en plus, qu'il y a de l'huile de palme dans le Nutella, il y a là les forêts et tout ça. Et il y a des promos et tout le monde achète ça, alors que pour 1,70€, tu trouves les mêmes pots, enfin la même quantité dans des pots qui sont pas forcément de marque, mais qui sont très bien aussi. Et qui sont sans huile de palme également. Donc je trouve ça un peu... voilà. Après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi j'ai rien contre les gens qui mangent du Nutella, etc. Enfin la marque Nutella, des fois ça m'arrive aussi. Mais se battre pour un pot de Nutella. Se battre pour un pot de Nutella, s'il te plaît. Mais c'est quoi ce... Mais tu te bats pour un pot de Nutella. Quand tu vois les vidéos, c'est... Franchement après les filles on a une mauvaise réputation, hein, parce que c'était que des meufs qui se battaient pour du Nutella. Et les mecs, ils étaient à côté avec leur téléphone en train de filmer. Limite, on aurait pu mettre de la boue par terre ou tiens, du Nutella par terre pour remplacer la boue, tu vois. Ça ferait genre combat de meufs dans du Nutella. Coucou Choupsi. Il passe t'adore. Et le banania. Le banania, j'aime bien. Bah écoute, Chloé. C'était les devs vrais du Mario ce week-end. Ouais, je pense que le Mario, comme d'habitude, le week-end. Coucou Bissutu, Barbie, des fois elle sait pas ce qu'elle fait, elle fait des choses au pif. Salut Bion, comment ça va? Enfin Bion Faz, on précise. Bonsoir Elodie. Elle veut Ken Ken. Elle veut Ken Ken. Grave la vidéo, j'étais morte. Non mais c'est n'importe quoi. Ok, j'ai créativiste en force. Hello Ananas. Non mais j'en peux plus. Ceci a écrit un mot et le passe à l'autre élève. Arrête ou je le dis à l'instituteur. L'autre élève chiffonne le papier et l'envoie sur Ceci, mais le manque atteint le pied de l'instituteur. Furieux, celui-ci les envoie tous les deux dans le couloir. Et voilà, et maintenant c'est pareil, mais avec Chelsea. On va voir si Chelsea a eu plus de chance. Ouais, bah Chelsea, exactement pareil. Exactement pareil. Eh bien dis donc, on est bien chanceux, hein. Ou pas, hein. Entre le feu, les deux filles qui se font réprimander à l'école, manquerait plus que Skipper, elle fasse de la merde à l'école également. En plus, ils sont tendus à cause des problèmes à l'école, mais elle, c'est encore autre chose. Elle a besoin de distraction, de divertissement. Mais elle est en vacances. Mais c'est l'heure du travail, mais tu fais quoi? Non mais la fille, ça y est, elle est enceinte, elle a cru qu'elle allait plus au travail. C'est pas parce que t'as éteint un feu et que tu fais des... du sport dès le matin que tu dois pas aller travailler. Elle a presque manque le travail. Bon bah trop tard. Est-ce qu'elle va quand même aller? Oui, elle va quand même au travail. Ah bah dis donc. Comment l'enfant malade Alice? Bah on la reprendra, vous inquiétez pas, on reprendra son let's play. En ce moment j'ai un petit peu moins joué en général au let's play habituel. Un petit peu en retard. Coucou Elisabeth, moi je n'arrive pas à comprendre ceux qui arrivent à manger un pot entier de Nutella au bout d'un moment, c'est un peu écœurant. J'avoue, des fois il m'arrive de prendre ma cuillère et de prendre une cuillerée de Nutella. Enfin, quand j'ai Nutella de pâte à tartiner au chocolat. Ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de Nutella en tant que marque, mais bon, j'appelle toujours ça du Nutella, même si c'est une autre marque. Donc comprenez-moi. Mais quand je prends une cuillerée, je bouffe une cuillère et je peux pas plus, c'est trop sucré. Je peux pas plus. Mais de temps en temps, j'avoue, je le fais. Je l'avoue. Je prends Ken, ça tourne mal. It's a prank. C'est quoi la couleur de tes cheveux? Coucou Emma. Bah, c'est un sort de bleu clair. Bleu très clair. C'est vrai qu'on voit pas, mais si je mets comme ça, voilà, vous voyez encore le bleu. Là, ça fait un blond. Les racines, et après, ça part en bleu. Mais vu que j'ai une lumière assez blanche dans la chambre, assez forte... Du coup, vu qu'elle tape juste au-dessus de ma tête,
Eh ben, ça blanchit mes cheveux. Mais en vrai, ils sont encore bleus. Hello Lina. Enjoy Phoenix. Bah, la dernière fois, on a fait Enjoy Phoenix, et pour ça, je suis revenue sur Barbie. Histoire de switch quand même. Mais j'ai mis en plus la rediff d'Enjoy Phoenix, je crois, hier. Ou cette nuit. Donc, vous l'avez vu. C'est quoi ton idée dans les Sims? C'est marqué en description, Lionel. Une cuillère ou une mouche? Une cuillère, mais une grande cuillère. Bon, j'avoue, une grande, pas une petite cuillère, une grande cuillère. Coucou Amy, elle va draguer Ken, la majeure femme, t'as pas vu? Si, si. Ils vont se draguer, hein. Ils vont se dragouiller. Mais j'ai dit pas tout de suite, hein, parce que là, c'est le début, hein. Ils viennent à peine de se marier, il va pas déjà le faire. Vite popcorn, sinon. Il n'y a plus la boutique. Nope, il n'y a plus. Moi, je peux pas prendre une cuillère d'une tiaille, sinon je me fais peau. Moi, j'y arriverai pas, parce que des fois, tu vois, j'ai une grosse envie de sucre, tu vois. Mais je prends, tu vois, je pars du principe, je prends une cuillère pour pouvoir prendre plusieurs cuillères, mais au bout d'une, j'en peux plus, quoi. Ok, y a Skipper qui est entré. Elle s'est endormie. Oula! Pourquoi elle est comme ça? Attends, stop. What? Pourquoi tu t'es mis en raisin? Je comprends pas. Lucie a terminé l'école pour cette semaine. Elle s'en sort bien, mais quelques efforts supplémentaires ne lui feraient pas de mal. Le week-end est peut-être une bonne occasion de les faire. Ceci n'est pas la première élève. Ceci passe par une phase. Elle s'est trouvé un animal totem et ne veut rien porter d'autre que son costume d'ours. Ben, pourquoi pas, écoute, hein, Chelsea. Hein, c'est un petit peu chelou comme délire. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. tes cheveux doivent s'abîmer, non? Non, puisque les couleurs, si tu parles de ma couleur bleue, ça ne s'abîme pas puisque c'est une couleur semi-permanente. Au contraire, moi j'ai remarqué que mes cheveux étaient mieux puisque ça comme ça formait une couche protectrice sur le cheveu. Et mes cheveux, depuis que je fais des couleurs un peu cheloues, bah, se portent mieux. Par contre, ce qui abîme énormément les cheveux, c'est comme vous voyez là, c'est mes racines blondes. Parce que je suis blonde à la base quand même. Mais c'est de faire des décolorations comme celle-ci pour me blanchir carrément à blanc mes cheveux. Pour après faire les couleurs cheloues. Et vu que ça, je le fais une seule fois sur cheveux et après je le refais plus. Et en fait, je fais juste les racines. Les cheveux là, j'y touche jamais. Sauf pour mettre les couleurs. Elle est en raisin et même pas en citron. Ouais, je crois que par contre, le costume citron n'existe pas. J'avais regardé. Bon, Ken est rentré aussi. Ils sont tous pas bien. De venir passer du temps. Non. De toute façon, il est fatigué, il passera pas de temps avec. Ah, tu veux pas aller te coucher? Il va dormir? Pourquoi il va pas? Il va dodo? Merci Eva MSP, bienvenue, merci beaucoup pour l'abonnement. C'est qui ours violet? C'est Chelsea. J'ai un peu de mal, Stacy Chelsea, hein, avec les deux prénoms, mais c'est ouais, c'est Chelsea. Quelle journée? Oh non, mais Barbie, tu saoules, hein. Barbie, elle saoule, hein. Elle a encore pas eu de promotion au travail. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est pas comme s'ils avaient besoin d'argent, mais c'était juste pour le principe de avant. Et au niveau de sa grossesse enceinte du deuxième trimestre, dans 13 heures, elle atteindra le troisième trimestre. Alors ça va être compliqué. Je pense qu'à cet épisode-là, on n'arrivera pas à accoucher du bébé. Et c'est le week-end. Kate Dreams demande si je veux venir chez elle. Écoutez, non, non, je peux pas, elle est trop fatiguée. Elle va s'endormir de toute manière. Ah, c'est l'équitation. Bienvenue, bienvenue, merci beaucoup. Ah, le chat griffé le lit? Non, bah non. Je peux pas le réparer. Chelsea prend pas sa douche. J'avouerais que entre dormir et se laver, bon, ils vont me dire on a 15 avec Rato, mais des fois je prends pas ma douche, je vais me coucher tellement je suis crevée, tu vois. Je me dis, oh, c'est pas grave, merci studio, bienvenue à toi. C'est pas grave si je fouette un peu, je me laverai demain matin, tu vois. Je suis tellement crevée, des fois je vais me coucher comme ça, tu vois. Donc je la comprends, elle est partie se coucher, elle se lavera. Bon, là c'est vrai que bon, je suis peut-être pas non plus allée me coucher en puant autant que ça non plus, hein, avec avoir la fumée verte qui sort de sous les aisselles, hein, on va pas abuser. Mais ça m'est déjà arrivé, donc je ne la jugerai pas. Dommage pour le bébé. Yes, dommage, moi-même j'avais envie de le savoir. Ah!
Les dossiers. Ouais. La maison dans la galerie, bah, la maison c'est Pixia qui l'a créée et du coup oui je l'ai pris de la galerie à partir de chez Pixia et Pixia c'est patafouin 40, patafouin tiré du bas 40 il me semble. C'est vrai que sur les baskets de ma mère c'est marqué 15L, non sérieux, bah, faut que tu m'envoies une photo. Bonsoir Elisa, Eilali Planète, faut que je demande à avoir quand même un sponsoring avec ces baskets 15L hein, parce qu'ils m'ont quand même plagié, je dis ça je dis rien. Donc je veux de l'argent maintenant. Le 15L est activé. Merci Anaïs, c'est gentil. C'est Lucan que tu peux créer les Simpsons. Alors je t'avouerai que j'ai déjà trop de choses à faire pour créer les Simpsons le week-end. On pourra le mettre dans un truc futur à faire, pourquoi pas, mais au niveau des créations, j'ai une liste comme ça de créations à faire dans les Sims. Coucou Nobi, comment vas-tu? Moi ça va, merci Léa. Tu sais pas quand elle va coucher, bah vu que... Si si, je pense à la fin du week-end en Sims, puisque là elle est dans 11h, ce sera le troisième trimestre. J'ai l'impression que tous les jours, tous les deux jours, elle passe un trimestre. Donc à la fin du week-end, début de semaine en Sims. Donc soit dimanche, lundi, je pense qu'elle accouchera dans les Sims. Coucou Pauline. Et étant donné que le week-end, tout le monde ne travaille pas et ils ne seront pas à l'école. Du coup, le temps va passer moins vite puisqu'on va faire plus de choses. Eh bien, je pense que ça va être très compliqué là. Je préfère le laisser pour la prochaine fois pour prendre notre temps et pouvoir quand même jouer un petit peu avec le bébé avant de quitter. C'est pas plus mal. Renour, il faut payer 15L. Ah oui, hein. Moi, j'ai un truc dans l'œil. Aidez-moi. Attendez, je vais prendre mon téléphone pour voir ce que j'ai dans l'œil parce que ça me gêne. Ça m'arrive tout le temps, ça. Ça m'arrive. Oh, non, qui rentre dans un café plus. Ah! C'est l'histoire d'un homme qui rentre dans un café plouf. Elle est nulle celle-là en plus! Et tout le monde la connaît! En tout cas, merci beaucoup pour le don, je te fais un énorme cœur-cœur, merci beaucoup pour le soutien. Non, mais en plus, celle-là, on la connaît tous, hein, je suppose. Il y avait, je crois, un autre truc avec le café aussi. Une blague sur le café, mais je me rappelle plus. Perce-le. De quoi prend une aiguille? De quoi mon œil? Non. Ah, en parlant de ça, j'ai une petite anecdote. Écoute, moi, ça va bien. Merci, Noobie. Une petite anecdote en ce qui concerne les aiguilles et les yeux. Quand j'étais petite, j'arrivais pas à dormir quand j'entendais un moustique quand je m'endormais. Parce que je pensais que si le moustique me piquait la paupière pendant que je dors... Et je me réveillerai avec un œil dégonflé. Je pensais que j'allais perdre mon œil si un moustique me piquait la paupière. Parce que je pensais que ça allait traverser la paupière pour piquer dans mon œil. Et que si on pique un œil, bah, il explose ou il dégonfle. Mais je peux pas dire. Si c'est avec un pingouin. Non, il me semble pas. Mais il y avait un autre truc avec un café, mais je sais plus. Par contre, le pingouin, c'est l'histoire du pingouin... qui respire par les fesses et il s'assoit et il meurt. C'est celui que tu parlais avec le pingouin. T'as quoi comme pack ici? Bah, j'ai tous les packs sauf le pack au resto. Par contre en kit il me manque bah, du coup le kit lessive, le kit fitness, jardin et cinéma. Et bamba. J'ai le être parent en pack mais j'ai pas le kit bamba. Je suis morte. Non tu m'as tué mais... Mais est-ce que s'il vous plaît quelqu'un dans le chat pensait pareil quand il était petit ou petite? Elle peut avoir un jour de repos. Oula. Ah, elle est devenue une fraise. Elle est devenue une fraise maintenant. Elle est vraiment partie dans un délire. Hein. C'est la première fois que j'ai un enfant dans les Sims qui est parti dans un délire comme ça. Hein. Je sais pas pourquoi je vais aller aux toilettes. Prendre une douche. Ouais, elle est vraiment pas bien. Hein. La pauvre, elle est vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Prendre des restes. Et puis partir de nouveau dormir. Hein. Ils sont tous vénères. Mais pourquoi ils sont tous vénères? À cause de l'école? Bah oui. Envoyés dans le couloir? Bah oui. Bah écoute, je sais pas quoi te dire. Hein. Il peut rien, moi. Prendre un bain et puis aller dodo. Hein.
Mais ça sera plus simple de gérer la famille, comme on avait dit, qu'une fois que les bébés, enfin, à partir du moment où Barbie accouchera, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer bah, les deux petites, on va envoyer les deux petites chez les parents de Barbie. Et bah, Skipper, peut-être elle va rester ou peut-être qu'on va l'envoyer aussi. Peut-être qu'on va l'envoyer aussi, ça serait peut-être plus logique. Étant donné que c'est la mère de Barbie, vu que c'est ses sœurs, dans la logique, c'est à la mère de s'occuper encore des enfants. Coucou Mayline, je me disais que ma paupière allait gonfler, c'est tout. Bah, effectivement, c'est vrai que, en normal, elle va juste gonfler. Hello Koneko, hello Gâteau. Pour le café, c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un café, puis dans une chaise, puis dans une table. Il avait un... Oh, ça n'avait pas cool. Je croyais que oui, les moustiques, s'ils te piquaient l'œil, tu pourrais plus l'ouvrir. Quand j'étais petit, je faisais une forteresse carapace avec tunnel de secours anti-moustique avec ma couette et les coussins. Mais moi, je faisais ça, j'allais sous ma couette. Le problème, c'est que j'arrivais plus à respirer au bout d'un moment, tu vois. Tu suffoques à force sous la couette. Tu peux créer un Tumblr où tu postes tes sessions que tu vois. Bref, je vois comment ça fonctionne un Tumblr. Parce que j'ai jamais compris le système Tumblr. Alors, il y a tout le monde qui dort. Elle dort. Au niveau de son travail, bah c'est le week-end. C'est le week-end de toute manière, donc pas besoin de prendre de congé. Retalia. Bon ben c'est pas celui que je préfère. Bah je t'avouerai que être parent c'est pas mon préféré en tant que pack et du coup c'est pour ça peut-être aussi que j'ai pas pris le kit Mamba. Mets ta maison dans les Sims 4. Merci Méline. Pendant que Barbie est enceinte, Ken est le servant. Bah on a déjà une majeure femme pour faire ça. T'inquiète pas Elodie. Que les moustiques rentraient dans les oreilles, lol. Hello Amy. Je sais pas c'est quoi le pire. Les moustiques qui rentrent dans les oreilles ou les moustiques qui te dégonflent les yeux. Mais franchement, je me sens débile hein, quand je raconte cette histoire. Hein. Je me dis avec du recul, mais pourquoi? Et tu penses vraiment que si les moustiques étaient si dangereux, il y aurait les gens, ils se mettraient des trucs pour aller dormir sur les yeux, quoi. Et je sois aussi fragile. Pour te faire une vidéo, comment avoir des CC, bah, on a déjà plein de vidéos comme ça sur internet, sur YouTube, pour expliquer comment utiliser des CC, comment les télécharger, comment les installer. C'est pour ça, sinon ça fait longtemps que j'en aurais fait une. Mais il y en a déjà tellement qui sont vraiment bien expliquées, notamment Pixia aussi qui l'a expliqué. Alors vu que c'est très simple, j'ai jamais pensé à le faire. Des musiques qui rentrent dans le nez. Ça m'a chatouillé le nez rien que de le dire. Ken est gentil ou méchant? Bah, pour l'instant il est gentil. Après, méchant, gentil, on verra bien. Vous verrez bien. Enfin bon, on va s'arrêter là pour le let's play de Barbie. La prochaine fois, il est fort probable que nous voyons l'arrivée, la naissance de l'enfant, des enfants, du garçon, de la fille. On sait pas, de Barbie. Vous verrez bien. Même moi, j'ai vachement hâte. Hein. Donc je pense qu'on va très rapidement revenir sur Barbie, très prochainement, pour voir ce qu'il en est. C'est ta chaîne et franchement j'adore, je me suis même abonnée. Bah merci beaucoup Akumi et tu pourras remercier ton ami de ma part. Ça fait super plaisir d'avoir parlé de ma chaîne. Et du coup bah bienvenue à toi sur la chaîne. Je crois que ça va, bah écoute ça va très bien et toi? Une fois je faisais du vélo et une mouche est rentrée dans mon oeil. L'histoire d'un papy qui restait boss dans un YouTube. Un papa, et papy il en peut plus. Pour une fois qu'il arrive à rester... Mais par contre, je crois que tu n'arriveras pas à récupérer ta vie. Hein. Parce qu'il me semble que si t'as fait... Ouais. Alors papy, va voir, je t'explique. Merci beaucoup papy pour le don, merci énormément. Bon bah, je vais juste t'expliquer un petit truc avant que tu te tues toi-même. Parce qu'en fait, t'as perdu quand même 20 points de vie par ta propre faute. En fait, vu que t'as fait le don par PayPal... Ton nom c'est Papy Says tout attaché et vu que ton pseudo YouTube c'est Papy espace Says, bah il relie pas les deux et du coup vu que t'es devenu boss avec le PayPal et du coup c'est pas relié Super Chat, du coup il comprend pas et du coup t'as perdu de la vie parce qu'il pense que c'est quelqu'un d'autre qui fait un don. Du coup voilà, et vite si tu veux pas mourir plus vite en fait, il s'est tué lui-même. Non mais bon, c'est quand même des choses à savoir, c'est quand même des choses à savoir. Ah, parce que papy, ouais, il avait fait un don pour la SPA, il me semble. C'est pour ça que t'as utilisé le PayPal pour la SPA. Et c'est comme ça que t'étais devenu le boss. Dis-moi, car je suis vraiment que je te laisse profiter du buffet.
Ah là là. T'inquiète pas, Sinistral. Papy, il va se tuer tout seul. Il est un petit peu sénile en ce moment. Enfin bon, on va s'arrêter là pour Barbie. Ouais, bah tiens, on va s'arrêter là pour Barbie, effectivement. Hein, on va s'arrêter là. On va dire au revoir à la team Rediff. On va continuer à faire quelque chose. Je n'ai pas envie de couper maintenant. Du coup, on va continuer à faire quelque chose. Mais pour la Rediff, c'est tout ce qu'on va mettre. Donc, au revoir à vous. Peace. Et portez-vous bien.